La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. L'activité physique en entreprise. A pour effet finalement de créer un climat qui est vraiment favorable à l'esprit d'équipe. Puis ça, bien, les entreprises qu'on a sondées le remarquent, il y a une hausse de la productivité. Reflet des nouvelles avec le point de vue de Gaétan Lelièvre. D'un côté, mais le gouvernement, les paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial, ne semblent pas avoir fait ça. Donc, c'est dommage. Puis, en bout de ligne, bien, ça va être encore des millions de dollars qui vont devoir être investi. La redevance touristique de Percé avec la mairesse Cathy Poirier. Dans notre budget municipal, présentement, sur un budget de 7,7 millions, il y a plus de 800 000 $ qui est dédié à cette industrie-là. Reflet politique régional hebdomadaire. Sous les yeux éblouis des amateurs de sport, l'histoire d'amour ne faisait que commencer. Puis sa candeur et son franc-parler ont tissé entre les Québécois et lui un lien de confiance qui n'a fait que se renforcer au fil des années. Un projet pour développer une offre touristique 4 saisons au Géoparc. Je suis ici aujourd'hui justement pour annoncer l'attribution d'une aide financière totalisant 320 000 $ à la coopérative de solidarité Géoparc de Percé. Retour sur la finale du concours Prise de parole. Des thèmes comme la liberté d'expression, un gouvernement mondial. Là, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, ce sont des citoyens du monde. Bonne émission.